Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est le lundi 26, il est actuellement 8h30. Là je suis levée, j'ai sorti Mademoiselle Prunelle et du coup je vais déjeuner. Voilà. Donc je prends ma petite tasse tous les matins. Est-ce que je me prends un peu de jus de fruits? Enfin, de jus de pomme. On va se prendre un peu de jus de pomme. On va voir. Il faut que j'aille le chercher. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vlogger. Je ne pourrais pas tout vous montrer dans cette journée parce que je vais faire les... Il y a une chose que je vais faire que vous verrez dans une prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Donc, voilà. Voilà, donc comme d'habitude, j'essaie de vous prendre avec moi le plus possible. Et voilà, il fait chaud. Il fait très très, très chaud aujourd'hui. Et faites pas attention à ma tête. Hein. C'est la tête. Faut que j'aille. Hop, voilà, c'est un petit chignon, j'aurai moins chaud à la nuque. Bref, je vais faire chauffer mon lait et je vous reprends tout de suite là. Voilà, du coup, mon lait a fini de chauffer. Je prends avec mon petit verre de jus de pomme. Et je vais prendre deux petites briochettes comme ça, que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, écoutez, là, je vais aller déjeuner. Et ensuite, j'ai un papier à regarder. J'ai des petits trucs à faire, mais je vous reprendrai. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée et pour ce nouveau vlog. Je vous reprends. Il est... 10h04. Là, depuis que je vous ai introduit ce vlog, donc j'ai déjeuné, j'ai avancé, je suis en train encore de regarder pour un papier. Je l'ai mis en pause parce que c'est en train de me... Voilà. J'ai commencé aussi à regarder la vidéo en toute intimité, donc sur la chaîne de Sam Zera, de Shana et Jonathan Matijas. Franchement, c'est une super interview. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et du coup, je voulais vous montrer samedi. Oui, c'est samedi. Non, vendredi. Non. C'est quand? Je sais plus. Enfin, jeudi ou vendredi. Bref, on a été à Leclerc. Parce qu'il y avait des promos sur les habits de bébé. Alors, faut savoir qu'au moment où vous voyez ce vlog, je ne sais toujours pas si j'ai une petite fille ou un petit garçon. Si j'attends une petite fille ou si j'attends un petit garçon. Du coup, bah, j'essaye de prendre, quand je veux prendre des affaires d'enfant, enfin de bébé, de prendre des couleurs neutres. C'est-à-dire qu'ils vont aussi bien une fille qu'un garçon. Je suis totalement consciente qu'on peut mettre du rose à un garçon et du bleu à une fille. Hein. Ça, voilà. Donc, je vais vous montrer, c'était une pro, enfin une promo. Moins 50 sur le deuxième, sachant qu'un body était à 2 euros quelque chose. Donc, le deuxième, on payait vachement pas cher. Donc, j'ai pris ce premier body avec un petit... une petite biche, une petite... Enfin, voilà. Je l'ai pris en 6 mois. Donc, voilà. Et il est trop, trop chou. J'ai enlevé l'autre étiquette, mais je n'ai pas enlevé celle-ci. Donc, voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, lui, c'est avec un petit hérisson qui dort. Il est trop chou. Pareil, en 6 mois. Donc, ça va rejoindre le sac, du coup, des 6 mois. Pour après, bah, partir... à laver. Donc voilà. Faut que je fasse aussi les ce que j'aimerais mettre à manger pour le 1er juillet. Donc ça pareil, vous en aurez une vidéo dédiée à ce qui se passe le 1er juillet. Bref, j'ai oublié de vous montrer. J'ai pris aussi à Leclerc la Garnier Skin Care Solution Micellar Peeling Doux. Hâte de la tester. Je la vois passer partout. Partout a dit qu'elle est géniale, qu'elle est top, machin, là, là. Hâte de la tester et de vous partager mon avis. Voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je reviens. Je vous disais que sur ce qui va se passer samedi, vous allez avoir une vidéo qui va sortir sur ma chaîne principale. Donc, voilà, j'ai encore des petites préparations à faire. Des petites choses à préparer, mais ça sera dans la vidéo du coup dédiée pour ça, qui sortira, je crois, au mois de juillet, courant début juillet, je crois. Ou enfin, courant juillet, donc... Donc voilà pour ça. Là j'ai éteint mon ventilateur, j'ai un nouveau extrêmement chaud, donc je vais vite le rallumer après. Et voilà, donc là je vais finir
l'interview, je pense, en faisant mes petits trucs que j'ai à faire pour le 1er juillet, en commençant par les menus, et voilà, écoutez, je vais faire tout ça, et je vous dis à tout à l'heure. Hey, vous voyez, je viens d'arrêter le ventilateur pour pouvoir vous prendre, il est, quand tu veux pas, pas grave, 11h40, là, j'ai avancé quelques petites choses pour samedi. Je vous ai avancé aussi la vidéo du coup concernant ce qui se passe pour samedi. Voilà, je fais ça tout doucement depuis tout à l'heure. Je regarde des vidéos, j'ai essayé de regarder le papier que j'avais regardé comme je vous disais, mais faut que je voie ça ce soir, enfin tout à l'heure avec mon chéri. Et voilà, je fais ça tout doucement. Il fait chaud, je sais pas comment il fait, mais il fait chaud. Et après j'irai manger, je sais pas ce que je vais manger encore. Mais je verrai bien. Donc voilà. Je vous promets, il fait une chaleur, c'est vrai. Je peux là sans le ventilo, c'est compliqué. Bref, je vais continuer à faire ça tout doucement. À midi, j'irai manger. Faut voir ce que je mange aussi, bref. Et voilà, et aujourd'hui, du coup, au moment où je tourne ce vlog, donc le lundi 26, il y a un nouvel article qui va sortir sur le blog. Voilà, si jamais ça vous intéresse, le lien sera en description. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Hey, je vous reprends, il est 13h15, donc j'ai mangé, entre guillemets. Voilà, ce que je vous jure, hein, ce que j'ai mangé, c'est un morceau de melon et trois corail. Voilà, parce que j'ai pas faim et je vais pas me forcer pour après pas le garder. Et avec, je me suis pris ces petits bubble tea là que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc là, lui que j'ai pris, c'est pêche, topping fraise et voilà. Et il est très très bon. Là, du coup, j'ai pas mal avancé sur ce que je devais faire. Il m'en reste deux à faire, voir si j'en fais un pour ma chaîne. Donc il m'en restera trois du coup. Et là, j'ai ressorti ça. Donc que j'avais acheté à Action, vous savez, c'est les espèces. Enfin, non, c'est pas les espèces, c'est les albums de scrapbooking qu'on retrouve du coup chez Action. Et j'en avais acheté un du coup quand j'ai appris que j'étais enceinte. Je savais pas encore si c'était une fille ou un garçon, je savais rien, je savais que j'étais enceinte, donc du coup j'en avais acheté un. Et là du coup, je vais prendre ces post-it là. Bon, je sais pas si je prends les grands ou si je prends ceux-là. Je vais voir. Et en fait, sur chaque page, je vais marquer par exemple une page présentation parrain et marraine, présentation papy-mamie, vous voyez des petits trucs comme ça. Et après, bah, ce sera pour le jour de sa naissance. Enfin, la découverte du coup du sexe. Je vais essayer de mentionner 2-3 personnes pour faire les photos, récupérer les photos pour les mettre dedans. Donc la découverte, si t'étais une petite fille ou un petit garçon, un petit prince ou une petite princesse. Le jour de sa naissance, c'est 1 an. 2 ans, premier Noël. Alors, je vais faire que premier Noël, parce que je vais pas faire Noël 2, 3, 4, 5, sinon on va. Je vais jamais avoir de place. Mais voilà, faire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, premier Noël, première rentrée scolaire, etc. Bref, ça sera vraiment un album souvenir pour bébé. Donc voilà, comme ça il connaîtra tout. Et lui faire peut-être une page où il y a présentation maman aussi, présentation papa. Voilà, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Et ensuite, je finirai ben, les deux qui me restent à faire. Et voilà. Après, il faudra jouer le repas pour samedi. Et voilà. Et j'ai extrêmement chaud. À chaque fois que j'arrête le ventilo, c'est horrible. C'est. Je sais pas comment je vais faire cet été. Honnêtement, si cet été ça monte plus chaud que ce que c'est là. Là, j'ai regardé quand je suis descendue prendre mon repas. J'ai la température extérieure était de 27, 27, 28. Donc si cet été ça dépasse les 30, ça approche les 40, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Donc, bref. Donc je vais faire tout ça. Et du coup, je vais remettre le maintien en route et je vous dis à tout à l'heure. Je reprends, il est 15h15 là. Je vais descendre en bas. Faire ce que j'ai à faire en bas. Et je vais vous mettre à charger parce que j'ai plus de batterie quasiment. Donc ça va être compliqué. Donc c'est ce que je vais faire.
Et voilà. Mais il fait chaud. Il fait chaud. Je crois que je vous dis ça à chaque fois que je vous reprends. Il fait chaud. Bref, je vais vous mettre à charger. Je vous dis à tout à l'heure. Et je vous reprends. Il est 20h22. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit vlog. J'ai pas pu vous montrer ce que j'ai fait parce que, comme je vous ai expliqué, ça fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne principale. Donc voilà. Donc là, je vais me poser, me caler. Et voilà, jusqu'à demain. Donc je sais pas si je vous regrette moi. Je sais pas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.